In no time, Sun Ce eliminated the weak powers in Jiangdong and created the powerful kingdom of Wu. His ferocity in battle was likened to Xiang Yu, the conqueror of old, and Sun Ce became known as the Little Conqueror of Jiangdong. Seeking to further expand his power, Sun Ce determines his next target. Après avoir conquis le territoire de Jiangdong, Sun Ce se choisit Jianye pour capitale. Il fortifie ses positions et en profite pour évaluer les environs. Dans la capitale impériale de Xuchang, Cao Cao contrôle l'empereur et gouverne à travers lui. Ce faisant, il constitue une menace que Sun Ce ne peut ignorer, même depuis Jiangdong. Zhu Yu envoie des espions à Xuchang afin de découvrir ce que Cao Cao compte faire. Un jour, ces espions reviennent avec deux renseignements. Le maudit! Pour qui se prend-il? Inutile de vous mettre en colère. Comment? Il me traite de chien galeux et je ne devrais pas m'énerver? Je vais prendre Xuchang et j'aurai sa tête! Vous devez conserver votre calme, seigneur. N'oubliez pas qu'un général est responsable de tous ses hommes. Il doit toujours garder la tête froide, surtout lorsque l'ennemi cherche à l'énerver. Ah, pardonnez-moi. C'est vrai, vous me l'avez souvent dit. L'autre information ramenée par nos espions est bien plus intéressante. De nombreuses rumeurs font état d'un affrontement imminent entre Yuan Shao et Cao Cao. On dit que Yuan Shao serait enfin en mouvement vers Xuchang. Cao Cao va forcément réunir toute son armée pour affronter Yuan Shao. La bataille devrait se produire aux environs de Guandu. Dans ce cas, personne ne défendra Xuchang. Voilà notre chance. Si nous contrôlons la capitale impériale et l'empereur, l'unification du pays sera toute proche. C'est exact, seigneur. Mais Xuchang est extrêmement loin de nous. Il ne sera pas aisé de l'attaquer. Et Liu Biao de Jing me préoccupe également. Il y a de fortes chances pour qu'il nous attaque à revers si nous lançons une si longue campagne. Je pense donc que nous devrions profiter de l'affrontement entre Cao Cao et Yuan Shao pour rebâtir notre armée et renforcer nos positions. Je vois. Et par où devrions-nous commencer, à votre avis? La province de Jing est extrêmement riche, de plus sa position stratégique nous donnerait accès à l'ensemble du pays. Je pense qu'il nous faut en faire notre priorité. Pour commencer, nous devrions attaquer la cité de Luku. Comme toujours, vous pensez à tout, mais je dois admettre qu'il m'est difficile de ne pas attaquer Xuchang compte tenu de la situation. La décision vous appartient, mais je vous supplie de bien tout évaluer avant d'arrêter votre choix, car une fois que vous l'aurez fait, il sera impossible de revenir en arrière. Je ne l'oublierai pas. Sun Ce décide d'attaquer Luku ou Xuchang. Sun Ce fait de Jianye sa capitale. Occuper Luku ou Xuchang dans la limite du temps imparti, nous avons 10 tours. Ah, Zugejin est amené Yanjun, bienvenue. Ok. Bon, nous en arrivons donc au premier sondage. Mais je vais avoir du temps. Je vais avoir du temps devant moi pour ça. Alors attendez, je vérifie juste un truc. Ouais, je vois. En fait, petit détail, mais ce scénario, en fait, ne demande pas de prendre vraiment Xuchang. Ce scénario nous demande de choisir vers quoi on s'oriente. En gros, il y aura un autre scénario qui suivra, par exemple, si on décide d'attaquer Cao Cao. Il faudra juste que j'envahisse Shushun. Et une fois Shushun envahi, on ira sur le chapitre suivant, où on sera en guerre contre Cao Cao, et on aura peut-être un peu plus de temps. Même chose pour Liu Biao. Si on veut attaquer Liu Biao, il faut prendre Wuchang, et ça nous enverra sur un scénario où on attaquera Liu Biao. Là, la question qu'il faut se poser, du coup... Ok, il faut prévoir deux tours.
Donc j'ai le temps de jouer jusqu'aux deux derniers tours et à ce moment-là j'arrêterai la session. D'ici là, nous avons du temps pour le recrutement. Beaucoup de temps pour le recrutement. Enfin, beaucoup. On a 8 tours. 8 tours de recrutement. Ça peut nous permettre... Oh putain, Zhao Yun qui est officier libre, alors ça. Mais il y a tellement d'officiers libres de toute façon que qui sont probablement inaccessibles. La situation du pays a un petit peu évolué, sinon. On peut constater qu'au nord, Yuanshou possède un territoire assez vaste, Kaokao possède un territoire très vaste aussi, Liu Biao est bien vaste, les autres n'ont pas vraiment bougé. Alors, allons-y, les civils, c'est parti. Nous avons donc Xi qui est recrutable par Yufan et Zutai. Ensuite. Putain, il y a Ganning en officier libre, il faut que j'arrive à le choper. Il y a Guyong qui est recrutable par Zhang Zhao. Ouais, c'est bon, il est là. J'avais un doute. Il y a Kanze qui est recrutable par Wangai. Il y a Wang Lang qui est recrutable par Chengi. À Wang Lang. Zhang Zun, qui est recrutable par Sun Se. Zhang Hong qui est recrutable par Zhang Zhao ou Yan Jun. Est-ce qu'il en reste après? Non. Yan Jun, tu peux le faire. T'es libre. Voilà. De ce côté-là. Ok, Sun Se, il est déjà en mission. Yan Xing peut recruter Yan Baiyu. Il peut recruter son frère, c'est logique. Yufan est déjà en mission. Zhang Zhao aussi. Zhu Yu, il y a déjà quelqu'un qui recrute Kanze, donc c'est bon. Ok. Pour le premier tour, ça ira. Il faut quand même que je forme une armée pour s'occuper de prendre des petites villes qui sont au sud. Ouais, je vais même en former deux, je pense. Voilà, pas plus de deux. Donc ouais, il y aura un sondage qui sera dans le descriptif de la vidéo, donc je sais pas si ce sera celle-ci ou l'épisode suivant. Normalement, ce sera celle-ci, je pense pas que l'épisode sera ultra long. Cao Cao vient de déclarer la guerre à Yuan Shao. Vous allez comprendre la toute-puissance de l'armée de Cao Cao. Comment osez-vous affronter la famille Yuan? Vous devriez avoir honte. Chengi vient d'amener quelqu'un appelé Wang Lang. Voilà. Wang Gai a amené Kanze. Yang Xing a amené Yan Baiyu. Zhang Zhao a amené Guyong.
Zhang Zun a rendu visite à Sun Tse. Yan Jun a amené Zhang Hong. Yufan a amené Dongzi. Voilà, ça fait pas mal de nouveaux. Yan Baiyu peut recruter Chen Deng. Ensuite, Xu Sheng est recrutable par Zhu Tai ou Jiankin. Zhu Tai, je l'ai pas déjà sorti par hasard? Non, j'ai pas l'impression. Qui déjà? Zhu Sheng, ouais. Zhu Shu, on peut pas. Ok. Alors, de ce côté-là. Chen Gui peut recruter Chen Deng, mais j'ai déjà envoyé quelqu'un. Après, je peux envoyer deux personnes. C'est pas gênant. Comme ça, s'il y en a un qui se fait repérer, il y a l'autre qui est toujours là, quoi. Donc, non, je suis dans le mauvais sens. Yufan peut recruter Luigi. Il est où, Luigi? Ok. Merde. Juste à côté. Allez, Yufan. Tu vas à Wu. Ensuite. Merde. Zhang Zun peut recruter Leibo. Il y aura quelqu'un d'autre après ou pas? Non. Donc, Zhang Zun peut recruter Leibo. Il est où, Leibo? Ok. Allez, Zhang Zun. À me recruter Leibo. Voilà. Ce sera probablement un épisode juste politique. Hein. Si vous attendez autre chose... vous attendez mal. J'ai oublié de bouger mes armées, par contre. C'est pas grave, je vais le faire. Yan Baiyu a échoué. Du coup, j'ai bien fait d'envoyer un deuxième. Livre de sort. Zhu Sheng. Chen Gui a amené Chen Deng. Zhang Zun a amené Leibo. Yufan a amené Luigi. Du coup, je vais voir ce que ça fait cet item. J'ai le livre de sort qui fait intelligence plus 10. Je le mettrai sûrement sur Zhu Yu, du coup. Ok, alors. Chen Jiao est recrutable par Chen Deng. Ah, c'est la chaîne des chaînes encore. Ah, sinon, il y a Mizu. Mizu, il est là. Donc on va essayer Mizu d'abord. Chen Kun est recrutable par Chen Gui. Chen Zhen est trop loin. Oh putain! Ouais, laisse tomber, Yan Baiyu il ira jamais jusque-là. On n'aura pas le temps.
Est-ce qu'on a quelque chose de ce côté-là? Non. Bravo Chengi. Yuan Shao et Gong Sunzan viennent engager le combat avec Cao Cao et Xonyu. L'armée de Yuan Shao l'a emporté. Ok, Mizu. Je vais charger. Attendez, il nous reste 8 tours. Yan Bayou peut recruter un mec. Alors attendez. Un tour. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Il a pile poil le temps, mais... Attendez, si je prends un autre itinéraire. 1. 2. 3. 4. Ah ouais, non, là c'est beaucoup plus jouable comme ça. En fait, c'est il peut. Je pense que Yan Bayou peut. Je vais juste mettre... de la politique à Chengi pour l'instant. Après, je le mettrai à Yan Bayou. Voilà, c'est tout. Chen Deng a échoué. Mais c'est pas grave, lui peut y retourner en un tour. C'est moins grave, déjà. Voilà, Yuan Shao a gagné. Lo Ling est occupé. Très bien. Et Chen Deng, tu retournes là où je t'ai demandé d'aller. C'est qui que tu voulais recruter déjà, Chen Kun? C'est ça. Ok. Xu Jing, il est pote avec un... avec qui en dehors de Yan Bayou? De Fa Zheng. Ah, intéressant. Fa Zheng est un bon stratège, ça peut servir. Donc... Chen Deng, il fait ce qu'il a à faire. Cheng Pu, tu peux rentrer. Hop. Sept tours restants. Ok. Petite sauvegarde. Souhaitez-vous négocier une alliance avec Cao Cao? Non.
Chen Gong et Zhang Liao viennent d'engager le combat avec Zhao Yun et Gong Sunzan. L'armée de Zhao Yun l'a emporté. Chen Gui vient d'amener Chen Kun. Voilà. Chen Deng vient d'amener Mizu. Voilà. Donc Chen Deng est supposé aller recruter un mec de sa famille. Il va le faire. Je vais enlever de la politique à Chen Gui. Et je vais le mettre à Yan Baiyu pour être sûr qu'il arrive jusqu'à la destination. Combien de tours? 6 tours. Bon, on a encore un peu de marge. Où est-ce qu'on en est de ce côté-là? Donc Chen Deng, il est en route, c'est bon. Chen Deng peut recruter Niu Jin. Très bien, sur le retour, il faudra qu'il aille là-bas. Mizu peut recruter Sun Qian. Ok, Mizu, déjà. Et Panzang. Panzang. Voilà, c'est bien, c'était bien ça. Hein. Ouais. C'était bien ça. Mizu. Tu vas recruter Sun Qian. Donc normalement, Sun Qian est là. Ouais, c'est ça. Maintenant, de ce côté-là. Mizu pour recruter Mifang. Bah, ça tombe bien. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Zuzi peut recruter Zuran, mais il y a déjà Panzang qui est. Il n'y a pas besoin d'envoyer une deuxième personne. Pas dans cette situation. Est-ce que j'ai bougé Chen Gui? Non, Chen Gui, il n'y a pas besoin. C'est Chen Deng qu'il faut bouger. Oui, non, je l'ai déjà bougé en fait. Je croyais que c'était au tour précédent, mais non. Négocier une alliance avec Zhang Lu. Ouais. Voilà, super. Histoire. Panzang a amené Zuran. Mizu a amené Sun Qian. Mizu a amené Mifang. Lu Meng a rejoint nos rangs, tout seul, comme un grand. Ah mais non, mais le fait d'avoir négocié une alliance, ça l'a fait rentrer à la capitale. C'est nul. Je suis bien de faire une sauvegarde à chaque tour. Hein. Ah putain. Bon bah je suis bon pour recommencer. Enfin recharger. Désolé pour ce petit contretemps. Putain. Ah, y en a un qui va se faire niquer à chaque fois, en fait, là. Vous savez quoi, c'est pas grave. Je fais repartir Chen Deng maintenant.
Voilà, Yan Baiyu est arrivé jusqu'à Xujing. Alors attendez, doucement. Chen Deng, je l'ai fait repartir au moins. Ouais. Il reste combien de tours? 5. J'ai encore un peu de temps. Par la suite. Ça, c'est bon. Yan Baiyu, il est bien au bon endroit. Hein. Ce serait con. Oui. De ce côté-là. Il n'y a rien de nouveau. Taishisi, tu peux rentrer. Ah oui, Taishisi, il a réussi à avoir un item d'ailleurs. Alors faites voir 2 minutes. Histoire, commandement plus 20, pas mal. Ok. Petite sauvegarde quand même. Parce que là, faudrait pas que Chen Deng se fasse choper. Ah ben, je peux lui donner de la politique maintenant. Bon, je fais une sauvegarde quand même. Mais ouais, je vais lui donner de la politique. Il en a plus besoin, Yan Baiyu. Ok, Xujing, bienvenue. Très bien. Chen Deng, tu continues d'avancer, s'il te plaît. Voilà, tu vas passer par Xuchang. Alors... Buzi est recrutable par Yan Jun et Zhang Hong. Je crois qu'il était là. Ouais. Chen Jiao recruté par Chen Deng, donc c'est en route. Et après, est-ce qu'il y a du nouveau? Non. Et de ce côté-là. Zugejin peut aussi recruter Buzi. Plus que 4 tours. Bon, bah écoutez, on avance. Pas besoin de sauvegarder ce coup-ci. Non, je ne négocie pas d'alliance avec Cao Cao. Yuan Shao et Gong Sunzan viennent d'engager le combat avec Chen Gong. L'armée de Yuan Shao l'a emporté. Zhang Gong vient d'amener quelqu'un appelé Buzi. Ok, Chen Deng. Putain, il faudra pas que j'oublie la prochaine fois de le bouger. J'essaierai d'y penser, mais il y a des chances que j'oublie d'ici là. On verra. Ok. Parce que là, c'est le dernier tour. Enfin, sinon, non, je le mets en avance, tout simplement. Ça, j'oublierai pas. Sima Yi et Wenshu viennent d'engager le combat. L'armée de Wenshu l'a emporté. Wait. Oh bah d'accord, tout ça pour ça. En fait, le mec, il s'est fait déjà recruter. Bon bah. Bravo. De la politique. Je veux voir, alors du coup les civils, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant?
Ouais, il y a un mec, il y a Zouane qui est recrutable par Zouzi. Faut que je relève tout le monde par contre. On y voit un peu plus clair. Voilà. Donc, nous disions. Oui, Zouane, je crois que c'est ça. Zouane qui est recrutable par Zouzi. On va au moins sortir Zouzi de son trou. Et du coup, après, je sais pas s'il y a autre chose, mais ça m'étonnerait. Donc du coup, il faut que je forme mes armées. Donc Sun Tse avec pour stratège Zhu Yu, avec pour officier Tai Shixi et Zhu Tai. La deuxième armée sera dirigée par Zhu Sheng, manifestement, avec pour stratège Cheng Pu, avec pour officier Wang Ai et Pan Zhang. Et du coup... je voulais donner ça à Zhu Yu. Et je sais pas encore lequel, à qui je vais donner le suivant. Je sais pas si on a vraiment d'officier qui vaille la peine. Attendez. C'est vrai que Lu Meng n'est pas très haut en level, mais c'est un mec qui a un gros potentiel. Je vais le mettre à Lu Meng. Lu Meng devrait pouvoir être pas mal normalement, arriver à un bon level. J'espère. Donc voilà, allez, on arrive à la fin de l'épisode. Donc il y aura un sondage dans le descriptif, un sondage Astropole. Donc vous votez pour votre préférence. Je vous rappelle ce que nous avons comme choix. Soit, donc là actuellement, Cao Cao et Yuan Shao sont en guerre. On a vu, ils n'arrêtent pas de s'affronter. Ce qui fait que théoriquement, Xuchang, la capitale de Cao Cao et celle qui contient aussi l'empereur, est vulnérable. Ça pourrait être une opportunité pour se débarrasser de Cao Cao. S'il n'y a pas de piège. Donc, le premier choix serait d'attaquer... Cao Cao, de rentrer en guerre contre lui, de le prendre à revers, tout en sachant qu'on risque de se faire prendre à revers par Liu Biao si on fait ça. La deuxième stratégie est donc d'attaquer Liu Biao, de jouer la sécurité et de se renforcer, en sachant que la province de Jing est une province stratégiquement assez bonne. Sans compter qu'on a une bonne raison d'attaquer Liu Biao, puisque c'est l'assassin du père de Sun Tse. Oh putain, il a réussi à avoir Ganning, ce fils de pute. Enfin bref. Donc je récapitule. Soit on attaque Cao Cao, soit on attaque Liu Biao. A vous de décider. Merci à vous d'avoir suivi cette session. Et à bientôt pour la suivante.